Salut! C'est la première démarche officielle dans les grosses décorations de styrofoam que je me lance pour Halloween. Donc, je vais commencer par une petite facile. C'est 16 pieds de styrofoam. Je dois coller ces quatre parties-là ensemble. Ensuite, je vais les peinturer. Et je vais faire le logo officiel. Du projet Halloween, genre l'écriteau officiel en relief. Je vais mettre des lumières dedans, ça va être fantastique. Je suis allée faire un petit tour chez Canac. J'ai acheté des trucs que j'avais besoin pour tout de suite. Déjà 40$ qui viennent de partir. Donc si vous avez des restants de peinture pour extérieur, la peinture acrylique, de la colle à foam, du foam en mousse, comme un isolant, genre. Je vais les prendre avec plaisir, donc je commence ça, puis je vous donne des nouvelles. Qu'est-ce que ça donne dans pas long? Je vais devoir creuser, je vais devoir graver, mouler ça à la forme que je veux avec ce crayon qui chauffe. Normalement, on prend une espèce de séchoir là, qui envoie de la chaleur, mais moi, tout ce que j'ai, c'est un crayon de pyrogravure, alors c'est ça qu'on va prendre. On va mettre ça de façon sécuritaire. Je vais aller me chercher une pierre. Avant de graver, pendant que ça chauffe, il faut quand même que je trace ce que je veux faire. Donc c'est ça que je vais faire. Maintenant, c'est le temps de faire la pyrogravure pour donner un semblant de pierre, là, de façade, de château. Et ensuite, je vais m'attaquer aux lettres et à la peinture. Ouf, ça donne ça pour tout de suite. J'ai pas encore fini, il me reste tout ce panneau-là. Bon, j'ai fini de faire les briques. Maintenant, il faudrait que je mette le foam en mousse pour mouler mes lettres. Je sais pas si j'ai le temps de faire ça avant d'aller travailler. Bon, une canne, ça fait juste ça. Fait que tu sais, j'ai manqué de mousse là. J'ai tout ça à faire. Fait que va falloir que j'aille racheter d'autres cannes. Je vais peut-être finir ce soir. Après, je vais peinturer tout ça et insérer des lumières dans le lettrage. Ça va être écœurant. Après, il faut quand même le couper parce que ça prend trop de place. En temps et lieu, je le collerai. Mais là, il faut que je coupe cela. J'ai pas trouvé mon exalto. En fait, oui, mais j'ai pas trouvé la lame. Bon, ça se coupe super bien. Voilà. Pas tout à fait sec, mais je dois aller travailler, fait que j'ai pas le choix. Bon, ça y est, j'ai déjà fait une connerie. Je viens de commencer à décorer, puis j'ai fait déjà une connerie. Fallait que je mette les lumières avant de mettre le foam. Le foam doit se fixer par-dessus les lumières. Ouais. Je vais peut-être falloir que je l'enlève, puis je recommence. Je suis allée acheter d'autres trucs en finissant de travailler. Je vais vous montrer ça. Tam! J'ai ramassé plein de pièces de styrofoam et de carton qui pourraient m'être utiles.
C'est cool! Donc j'ai ça de plus de styrofoam. Ouais! Et je suis allée me chercher 3 canettes. J'en ai trouvé un autre magasin. Tantôt j'avais juste cette marque-là. Là j'ai trouvé 3 canettes de Great Stuff. Et ils sont plus grosses que ceux-là. Donc je devrais en faire plus longtemps. Mais ils sont fucking plus chers. Et je suis allée m'acheter 5 séries de petites lumières comme ça pour mettre dans les lettres. Et des petits bâtons de bois parce que pour piquer les morceaux de styrofoam ensemble avant de les assembler pour de bon, c'est super pratique. Ou quand quelque chose est cassé, ben alors oui, ça peut être super pratique de juste planter ça là-dedans pour les faire tenir. Voilà, pour le reste, je ne vous l'avais pas montré tantôt vraiment. Là. Donc ça ici, c'est un clear transparent, donc une espèce de vernis. Parce que la peinture, sinon, elle va s'en aller vu qu'elle est à l'extérieur. Ça, c'est un tube de colle pour coller toutes les pièces de styrofoam ensemble, comme si je veux coller des pièces comme ça ou des feuilles. Et le gun pour le faire. Ça, c'est mon galon à mesurer, il n'y a pas d'affaire là. Et la peinture grise, ici, de ce couleur-là. Voilà, c'est ce que j'avais acheté tout à l'heure. Hey, fait que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous donne la suite dans une prochaine vidéo très bientôt. J'ai regardé, là, je sais pas, peut-être une heure ou deux de recherche sur Internet pour me donner des idées. Aussi, comme la meilleure façon de faire tenir tout ça, parce que je dois rien planter dans les murs. Il faut que mes décorations, mes murs, mes panneaux tiennent d'eux-mêmes, t'sais. C'est quelque chose. Puis tu sais, tous les produits comme chimiques que j'utilise, qu'est-ce qui est compatible avec ça, tu sais, puis faut que je pense à la température de l'extérieur qui peut les abîmer, et est-ce que je mets à l'intérieur, faut que je pense à plein de trucs, comme exemple, j'ai des portes à faire, donc je dois faire des portes avec des peintures, mais tu sais, des portes pas pesantes, que je peux réutiliser, que je peux transporter dans mon véhicule, et que je vais pouvoir installer là-bas sans absolument rien abîmer, donc je vais devoir faire des portes en styrofoam, j'adore le styrofoam, mettre des peintures après ça, bref, c'est beaucoup de planning mental pour le moment, fait que je fais un élément à la fois. Je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça va être le mur de la façade, parce que c'est lui qui est vraiment géant. C'est là-dessus que va aller la bannière que je suis en train de faire, là, que vous avez vu dans cette vidéo. Et parce que ce mur-là, ça va être comme le gros morceau très difficile à faire, puis il faut que je le fasse en pièces détachées pour pouvoir l'assembler sur place là-bas, comme juste à la dernière minute. Donc il faut vraiment que je prenne bien mes mesures, il faut que ça se range bien, puis il faut que ça s'assemble bien. Donc je vais regarder ce que je peux faire là-dessus parce que tu sais, j'ai pas d'outils non plus là, puis j'ai pas un gros budget. J'ai même pas de drill, j'ai même pas... il va me falloir un scraper là pour enlever la mousse que j'ai mis là, qu'il fallait pas que je mette tout de suite. Tu sais, j'ai même pas d'exalto, comme je disais, j'ai rien tu sais pour travailler. Là je cherche ce qu'on appelle... comment qu'on appelle ça? C'est comme un couteau ou une scie genre, mais... c'est pas une lame qui coupe, c'est un fil qui chauffe. Et c'est fait pour couper les feuilles de styrofoam. Un peu comme vous avez vu avec mon crayon pyrograveur, tu sais, ça fond tout de suite. Mais la corde est tellement chaude qu'elle fait fondre le styrofoam. Puis c'est un peu comme le principe d'une soie dentaire, là. Tu passes la soie comme dans la feuille, puis ça la coupe instantanément. Puis ça fait pas de petites cochonneries, de petites boules de styrofoam. Donc c'est très important, fait que ça la casse pas non plus. Donc là, je sais pas comment je vais faire parce que étant donné que c'est pas juste des petits bidules que j'ai à découper et à sculpter, il me faudrait vraiment une espèce de couteau comme ça. Je sais pas comment appeler ça. Et j'ai fait deux magasins et dans un des deux magasins, j'ai demandé puis il y en avait pas. Mais je m'attends à ce que ça coûte cher. Donc si je peux l'emprunter à quelqu'un, ça serait super cool. Je vous redonne des nouvelles bientôt, je vais vous montrer ça, la bannière quand ça va être fini, ça va être écœurant, j'espère. Regardez les prochaines vidéos qui vont sortir. J'ai pensé que c'était bien que je fasse des petites vidéos comme ça de la progression de toutes les démarches. J'ai pensé que c'était une bonne idée que je vous amène avec moi lors de la fabrication d'absolument tout ça. Jusqu'en octobre! Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube de la Guignolée des Pères Noël Anonymes. Parce que le projet est produit par La Guignolée et j'ai une chaîne YouTube et c'est là-dessus qu'est ce vidéo. Donc si vous allez vous abonner, vous allez recevoir une notification quand je vais publier les prochaines vidéos. Il y a beaucoup quand même de stock là-dessus. Bye!